Le prince Harry va prochainement publier ses mémoires. Dans celle-ci, il va évoquer sa relation avec le prince William et Kate Middleton. Le duc de Sussex a été très transparent. En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des Windsor et des Britanniques. Celle-ci n'a d'ailleurs toujours pas été digérée, notamment puisque les Sussex ont enchaîné les révélations par la suite. Le 10 janvier prochain, l'époux de Meghan Markle va publier ses mémoires, intitulées Le suppléant. Dans celle-ci, il a bien l'intention de rétablir sa vérité et de donner sa version des faits sur de nombreux sujets. Selon les informations du Sunday Times, dévoilées ce mardi 3 janvier, le duc de Sussex n'a pas été tendre avec le prince William et Kate Middleton. Charles Sen sort mieux qu'attendu, mais si est-il particulièrement dur pour William, et même Kate est un peu malmenée, a d'abord confié une source au tabloïd. Il y a ces détails minutieux et une description de la dispute entre les frères, poursuit-il avant d'ajouter, personnellement, je ne vois pas comment Harry et William pourront se réconcilier après ça. Deux jours avant la publication de ses mémoires, ce sont des interviews accordées à ITV et CBS qui seront diffusées. Dans celle-ci, le prince Harry apparaît très triste. Ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier, a-t-il d'abord révélé avant d'ajouter, je voudrais renouer avec mon père. Je voudrais renouer avec mon frère. Ce que le duc de Sussex souhaite, une famille, pas une institution, a-t-il assuré. De nouvelles confidences qui vont détériorer la relation entre le prince Harry et les Windsor, le prince Harry n'a pas l'intention de se taire. Alors qu'il s'est senti délaissé par sa famille, le duc de Sussex a écrit ses mémoires, dans lesquelles il a l'intention d'évoquer son enfance mais aussi sa vie de prince. En plus de cet ouvrage, il s'est confié à CBS et a évoqué la mort de sa mère, Lady Diana, mais aussi la manière dont la presse a pu obtenir des informations, de la part de Buckingham Palace. Ils alimentent ou auront une conversation avec le correspondant royal, a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter, et ce correspondant recevra littéralement des informations de première main et écrira un article avec. Une attitude que le prince Harry souhaite dénoncer. Il arrive un moment où le silence est une trahison, a-t-il poursuivi, assurant que suite à chaque conversation avec sa famille, il y avait des fuites dans la presse. Chaque fois que j'ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre moi et ma femme. Vous savez, la devise de la famille est, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, mais ce n'est qu'une devise, insiste l'époux de Meghan Markle. Dans leur documentaire dévoilé par Netflix, les Sussex avaient fait des révélations bouleversantes, notamment sur le fait qu'ils pensaient que la famille royale était à l'origine de la fausse couche de la duchesse de Sussex. Des confidences très remarquées. Le prince Harry et Meghan Markle, pourquoi veulent-ils des excuses de la famille royale? Les révélations du prince Harry et de Meghan Markle s'enchaînent. Que ce soit lors de l'interview accordée à Oprah Winfrey ou dans leur documentaire, les Sussex ont assuré ne pas avoir pu compter sur le soutien des Windsor. La duchesse avait même expliqué avoir eu des pensées suicidaires. Le 17 décembre dernier, The Mirror avait révélé que le prince Harry et son épouse attendent des excuses de la part des Windsor.
Ils veulent que la famille royale prenne ses responsabilités et assume la douleur et les dommages qu'ils ont infligés au couple, avait indiqué une source proche. Une demande qui n'est pas passée inaperçue, mais celle-ci sera-t-elle acceptée? La publication des mémoires du prince Harry risque d'augmenter les tensions entre les Sussex et la famille royale.